Avec Jean-Philippe Borodachko qui va présenter Domingo Della. On l'a pas revu depuis fin juin. Pourquoi, Jean-Philippe? Eh ben, on lui a filé un break volontaire au cheval. Il avait bien travaillé l'hiver dernier. On avait appliqué cette technique-là plusieurs meetings de suite. Donc là, on a renouvelé l'essai. Donc notre cheval a décompressé cet été. Il n'a pas arrêté de travailler non plus. Il a juste décompressé. Et on l'a remis en condition, il va faire sa rentrée lundi. Le cheval est bien et en forme. On va le courir assez sage. On risque d'avoir un numéro en deuxième ligne. Et on a une belle course qui s'offre à lui fin du mois. Donc voilà, ça va nous permettre de juger notre cheval. Vous le différez quand même des 4 pieds d'entrée de jeu. Oui, parce qu'il a travaillé avec des grosses chaussures là à la maison, donc ça va lui redonner un peu de jeu de jambes, quoi, ça va le mettre dans le rythme. C'est un cheval qui a bien progressé tout au long de sa carrière, même s'il avait déjà montré un gros potentiel. Est-ce qu'il a encore les moyens de bien faire et qu'est-ce qu'il peut faire surtout lundi pour les parieurs? Est-ce qu'ils le mettent ou pas? Si ça veut bien se passer, peut-être fin de combinaison. Après, c'est un cheval qui va aimer hein, le rythme soutenu. Les 2100, il les apprécie beaucoup, ce qui peut choisir un petit peu plus son placement dans le parcours, plus que les 2007. Il a quand même des atouts, hein, même si c'est une rentrée. Ben moi je le préfère quand même sur 2007. Là le 2100 ça va surtout être une histoire de numéro en deuxième ligne. Et puis je vais m'efforcer à lui donner un parcours sage. Et s'il est bien, logiquement il devrait finir la combinaison. Vous aviez pas de course pour repartir en province avant Vincennes? J'avais La Rochelle, j'ai longtemps hésité La Rochelle ou cette course-là pour faire une rentrée. J'avais peur un petit peu que la piste soit ferme à La Rochelle pour une rentrée. C'est un cheval assez fragile, donc allez, je vais directement à Vincennes, la piste est bonne, voilà.